Dans le cadre du projet européen Caregivers Pro MMD, le CHU de Rouen a accueilli les 19 et 20 octobre 2017 ses partenaires européens. Ils viennent d'Espagne, d'Italie, de Grande-Bretagne ou encore de Grèce. Ensemble, ils travaillent depuis plus d'un an au développement d'une plateforme intelligente pour les aidants d'Alzheimer. Depuis le 1er janvier 2016, nos informaticiens espagnols et grecs ont travaillé au développement de cette plateforme que nous sommes en train de tester. Et l'objectif, c'est dans les prochaines semaines débuter une étude afin d'évaluer sur des couples aidants aidés de l'intérêt de cette plateforme et évaluer ce que ça peut apporter sur la qualité de vie et sur la baisse de l'épuisement de l'aidant. L'enjeu de cette étude, apporter des réponses adaptées aux patients et leur entourage tout au long de l'évolution de la maladie. Le projet est à mi-parcours. Nous progressons bien. Nous avons une revue de projet très réussie à Bruxelles au mois de juillet. Maintenant, nous allons tester la plateforme avec des utilisateurs auprès de 4 sites pilotes, dont Rouen, dès le mois de novembre. Mon travail consiste à développer techniquement une plateforme et de la mettre à disposition des partenaires cliniques afin de pouvoir tester les concepts qui ont été annoncés dans le projet. Mon travail consiste également à animer des réseaux sociaux. En Espagne, nous avons un réseau social d'aidants et de patients de plus de 20 000 personnes. En France, nous commençons à gérer et à avoir un réseau social de presque 1000 personnes. Et donc l'idée de la plateforme, c'est vraiment non seulement une plateforme informatique, mais sous une ouverture au monde. C'est-à-dire qu'on veut être aussi présent sur les réseaux sociaux. Et ça fait partie, on pense, de la réussite du projet. Rappelons que ce projet européen, d'un montant total de 4 millions d'euros, a été financé par l'Union européenne, dont 700 000 euros ont été alloués à la France, et plus précisément au CHU de Rouen et au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.